Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet moi qui m'intéresse beaucoup et qui devrait aussi beaucoup vous intéresser, c'est comment on peut apprendre concrètement le trombone sur Internet. Donc vous le savez, on commence à avoir de plus en plus de vidéos sur YouTube, de plus en plus de vidéos sur YouTube sur différents instruments. Sur trombone, on n'en a pas encore beaucoup, mais ça commence. Et donc, je voudrais un petit peu vous parler au cours de cette vidéo, comment utiliser tous les outils qui existent, qu'est-ce qui existe exactement à part le format YouTube, qu'est-ce qui existe en France, qu'est-ce qui existe à l'étranger. Je vais vous parler de tout ça, et donc restez bien attentifs, cette vidéo va peut-être être un peu plus longue que d'habitude, car j'aimerais aussi au passage, parler un peu de mon parcours qui va être en lien avec tout ça. Voilà, aussi pour que vous appreniez un peu plus à me connaître, puisque maintenant j'ai dû sortir pas loin d'une cinquantaine de vidéos depuis le mois de février dernier. Voilà, vous commencez à vous abonner de plus en plus, donc merci à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui me laissent des commentaires. Ça me fait toujours plaisir et ça me fait vraiment avancer. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas trop de monde, je prends le temps de répondre en général à peu près à chacun d'entre vous. Donc voilà, les moindres questions. N'hésitez pas, tant que je ne suis pas sûr, mais lors que j'ai une question, que la chaîne est à ses débuts, je peux y répondre personnellement. Donc voilà, entre les commentaires, les abonnés, je vois que voilà, il y a de l'amende pour le trombone. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir cet instrument ou à vouloir progresser dessus. Et donc j'ai vraiment envie de m'investir de plus en plus avec cette chaîne et aussi avec le trombone, puisque je pourrais faire le lien un petit peu sur mon parcours. Donc je joue du trombone, mais à la base, c'est pas mon premier instrument. J'ai commencé la musique avec ce genre d'instrument. Donc, vite fait, donc ça c'est le sousaphone. Donc évidemment, j'ai commencé, j'avais les instruments de la famille du tuba, j'avais quoi? 13 ans, 14 ans, donc je vais pas commencer directement là-dessus, forcément c'est un peu gros. Hop! En fait, j'ai commencé avec un euphonium, donc un tout petit tuba. Et avant ça, je faisais même de la trompette basse, puisque j'ai commencé dans une batterie fanfare, donc c'est un orchestre avec que des cuves naturelles. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, ça vous intéressera pas forcément. Et voilà, j'ai fait beaucoup de tuba. En fait, à partir de. J'ai fait un an d'autodidacte. Et après, je suis rentré au conservatoire donc de Angers. Et j'ai fait un gros cursus. Enfin, depuis ce temps-là, en fait, je fais quasiment que de la musique. Puisque au lycée, j'avais les horaires aménagés. On appelle ça les classes CHAM pour les collégiens. Donc, c'est de faire des horaires aménagés, que ce soit au collège ou au lycée. Vous avez moins de cours. C'est un peu moins vrai au collège, il paraît, mais j'ai commencé qu'au lycée, donc je vous explique par rapport à ce que je connais. On avait moins d'heures de cours, en compensation, on avait plus d'heures de cours en conservatoire et on avait beaucoup de temps pour travailler notre instrument. Donc je ne sais pas combien d'heures de cours vous aviez au lycée, mais en gros, voilà, moi j'avais 17 heures de cours, même en terminale. Donc ça, c'était le nombre d'heures par semaine que j'avais de cours au lycée. Et tout le reste, c'était consacré à la musique. Donc depuis mes 15 ans, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et après le lycée, donc j'ai fait que du conservatoire, en faisant un petit peu des jobs alimentaires à côté quand même pour un petit peu découvrir la vie, comme on peut dire, pour subvenir un peu à mes besoins. Et puis j'ai commencé, donc il y a des choses qui n'avaient rien à voir avec la musique, et puis je commençais aussi à donner mes premières heures de cours, donc d'abord en tant que prof de phonium. Et puis très rapidement, j'ai donné des cours de trombone. Donc c'est là que ça va nous intéresser. Donc c'était dès 2011, donc j'avais 19 ans. Je sortais un an après le lycée, en fait, la deuxième année où j'ai donné des cours. Bah, il s'avérait que souvent, dans les petites écoles de musique, quand ils recherchent des profs de tuba, souvent c'est couplé à des heures de trombone. Et c'est là que moi je m'y suis mis, puisque l'école qui recherchait un prof de tuba et trombone, au début il n'y avait que du tuba, pas encore du trombone. Mais voilà, c'était pour les deux. Donc j'ai dit, ok, je me présente, donc je suis que tubiste, mais je vais me mettre à apprendre le trombone. Comme ça, le jour où j'aurai des élèves, je vais savoir jouer du trombone.
Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé un trombone en plastique qui était déjà à l'école. Vous savez, ces trombones, enfin vous savez peut-être pas, une des premières marques qui a fait ça c'était Pibone, donc P et Bonne, B-O-N-E. Voilà, depuis il y a d'autres marques à ce niveau-là. Donc voilà, c'est des trombones qui sonnent super bien, ils sont super légers, mais par contre au niveau de la coulisse, c'est pas optimal. Donc j'ai vite changé, j'ai acheté mon propre trombone. Donc, qui ressemble un peu à celui-ci. Donc là, en ce moment, je m'en fais prêter un autre parce que malheureusement, en tournant une vidéo, j'ai fait tomber mon trombone. Donc je le fais réparer. Mais c'est à peu près le même modèle. Donc voilà, ça c'est un YSL645, si je ne m'abuse. Voilà, et bien c'est un 635. Et les deux sont des petites perces. Il n'y a pas vraiment de différence, même dans la sensation. Celui-là, je le trouve assez limite plus facile à jouer le 645 par rapport au mien, mais bon, il n'y a pas grosse différence. Donc moi ça m'arrange, comme ça me permet de pas perdre les sensations, je peux garder les mêmes embouchures et tout. Donc voilà, j'ai acheté mon propre trombone et puis j'ai continué, j'ai eu mes premiers élèves au trombone. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'élèves adultes, j'ai eu des élèves adolescents. Et je crois pas que j'ai eu d'enfants dans mes souvenirs au niveau du trombone. J'ai eu pas mal de tout petits au tuba, donc sur des tout petits tubas, des petits barytons. Mais au cours des années où j'ai enseigné le trombone, j'ai pas eu de petits, surtout des adultes. Donc ça tombe bien, je sais que la plupart d'entre vous sont vraiment adultes. Donc je suis habitué à vous enseigner le trombone pour ça. Donc en général, je sais où est-ce que ça pêche et où est-ce que vous avez besoin d'aide. Donc voilà, j'ai continué tout ça, donc je suivais des cours, je continuais mes études au conservatoire, j'ai passé mon prix en tuba. Donc le prix aujourd'hui, on appelle ça le DEM. Donc c'est vraiment le diplôme de fin de cursus au conservatoire. Avant ça s'appelait la médaille d'or, une bêtise comme ça. Voilà, donc je passe ce truc là à l'unanimité du jury, donc super, j'étais super content. Alors je l'avais passé une première fois, je l'avais loupé, la deuxième année j'ai cravaché, j'ai bossé comme un dingue et ça s'est très très bien passé, donc j'étais ultra content. Après d'autres soucis, j'ai voulu faire les conservatoires supérieurs, donc ça a mis du temps aussi, j'ai fini par être pris à Rennes. Donc il y a deux vrais conservatoires supérieurs qui sont à Lyon et à Paris, et après il y a un peu des antichambres qu'on appelle des pôles supérieurs, qui sont aussi des établissements où on apprend donc à encore mieux jouer avec des meilleurs profs, mais surtout on apprend aussi à donner des cours, on passe le diplôme d'état. Donc voilà, donc je suivais ce cursus là à Rennes, dans un pôle supérieur. Et j'en ai profité pendant ces études à faire un Erasmus en Finlande, donc au conservatoire supérieur de Finlande qui s'appelle l'Académie Sibelius. Donc voilà, tout ça toujours au tuba, donc je passe rapidement tout ça, c'est pour vous les trombonistes, ça vous intéresse pas forcément, mais voilà, c'est histoire de vous situer, vous montrer un peu les bagages que j'ai. Et au retour de Sibelius, je décide d'arrêter mes études et puis de me lancer un petit peu à mon compte. Et puis je commence à découvrir les cours en ligne, comment ça peut fonctionner. Je me renseigne sur comment je peux donner plus de cours en ligne, enfin commencer à donner cours en ligne, parce que je voyais bien avec les heures de cours que je donnais, déjà c'était pas assez pour me faire un temps plein. Et puis je trouvais ça dommage parce que je rencontrais beaucoup de gens qui voulaient se mettre au trombone mais qui étaient freinés par aller en école de musique. Et donc du coup j'ai commencé à me demander, mais ok, alors comment donner accès à plus de personnes le moyen d'apprendre le trombone. Et donc j'ai fait mes recherches sur internet et là je tombe sur les formations en ligne. Donc aujourd'hui on a ça pour plein de domaines. Alors les principaux domaines, hein, ça concerne vous avez peut-être déjà vu ça sur le développement personnel, sur gagner plus d'argent, sur des grosses thématiques comme ça, sur la musculation. Ça, je dirais que c'est les trois principaux domaines qui sont un peu bouchés aujourd'hui. Mais après, c'est quelque chose qui n'est pas complètement exploité. Et surtout pour la musique. Parce que pour la musique, on a quelques cours de piano, de guitare, et ça s'arrête là.
C'est pour les deux instruments principaux, c'est surexploité. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que ce truc-là peut, même pour ces instruments-là, peuvent être développés. J'avais moi-même fait une chaîne sur le piano que j'ai pas duré très longtemps parce que j'étais pas moi-même passionné par le piano. Donc je me suis dit, ok, si je fais une chaîne sur un instrument, autant que ce soit un instrument que je pratique déjà et que j'aime vraiment. Donc c'est quelques mois après que j'ai commencé à faire une chaîne sur le trombone. Et voilà, c'est comme ça que cette chaîne YouTube a fini par naître, donc en février dernier. Et aujourd'hui, je voudrais donc vous dire un peu plus de choses. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, toute cette chaîne? Alors, la chaîne, elle vous permet d'avoir beaucoup de contenu gratuit sur des questions que vous vous posez. C'est pour ça que je commence toutes mes vidéos par comment. Voilà, c'est... En plus de m'aider à être positionné sur les moteurs de recherche comme Google et YouTube, ça permet vous de vous répondre à des questions précises. Donc voilà, ça c'est pour le contenu donc complètement gratuit que j'offre sur YouTube. Donc ça, je vous en donne un maximum pour que vraiment vous puissiez évoluer complètement gratuitement. Qu'il y ait un maximum de personnes en fait, c'est ça l'intérêt, qu'ils puissent commencer le trombone voilà, sans qu'il y ait aucune barrière, puisque mon souhait quand même c'est et j'ai déjà eu des résultats là-dessus, quand je vois qu'il y a des personnes en commentaire qui me disent j'ai commencé le trombone grâce à ta chaîne, ça fait quand même beaucoup hyper plaisir en fait. Donc voilà, savoir que c'est un outil qui sert, c'est motivant. Donc pour ça, je donne toujours plus de contenu. Et derrière, pour les personnes qui sont vraiment très motivées pour l'instrument, je propose donc des formations là qui vont être payantes, qui vont être pas forcément très chères, parce que d'un, je me lance et puis elles ne sont pas forcément optimisées, et puis les résultats que je promets ne sont pas non plus extravagants. Je ne vais pas vous apprendre encore à comment vivre de la musique ou des choses comme ça, même si j'aimerais bien créer des formations sur ce genre de sujet, ou comment développer des grosses chaînes YouTube, etc. Donc ça, ce sera peut-être plus tard quand j'aurai vraiment les compétences pour ça. Aujourd'hui, je ne les ai pas encore. Donc tous les résultats que je veux donner, c'est des choses que moi-même, je suis capable de faire. Je ne veux pas vous mentir, en fait. Et dans le même genre, en France, je suis le premier à faire ce genre de choses pour le trombone. Pour la guitare, ça existe déjà, pour le piano aussi. Et peut-être d'autres instruments. Mais aux USA, sachez que ça existe, ce genre de choses. Je suis tombé par exemple sur la chaîne YouTube de Paul the Trombonist, donc, qui est vraiment excellente. Je vous encourage à aller voir, parce que non seulement il donne beaucoup de cours très utiles, si vous parlez un petit peu anglais, je trouve que ses conseils sont assez pertinents. Lui, il a un parcours de trombone qui est carrément plus avancé que le mien. Il a commencé direct par le trombone, il a fait des super études. Si j'ai bien pigé, je crois qu'il est du côté de Los Angeles. Il a travaillé avec des icônes de fou, il a beaucoup de choses à apporter. Il fait aussi des vidéos où il joue donc avec des mecs assez chouettes. C'est un peu la même chose que je fais. Il a beaucoup de contenu donc sur YouTube qui donne donc des morceaux qu'il joue et puis des cours, des interviews aussi. Donc ça, j'aimerais venir. J'ai déjà prévu d'en faire une interview d'un tromboniste professionnel qui devrait arriver bientôt sur la chaîne. Et puis, petit à petit, j'aimerais en faire de plus en plus des interviews. Bref, et des morceaux, en gros, je me calque un peu sur ce qu'il fait. C'est des idées que j'avais eues un peu par moi-même, mais lui, je vois exactement comment mettre ça en forme. Donc après, il le met avec beaucoup d'humour, tout le temps, avec sa propre personnalité. Même si j'aime bien être un peu déconneur, je ne vais pas rentrer, je pense, du moins au début, autant là-dedans. Je ne vais pas m'amuser à copier ce qu'il fait. En tout cas, cette personne m'inspire beaucoup. Donc, Paul the Trombonist. Et derrière... Pareil, il a son site où il vend des formations. Et il en a deux actuellement. Alors par contre, elles sont beaucoup plus chères. J'ai vu qu'il en avait une qui vendait 2000 euros. L'autre, une à 500 euros. En ce moment, elle est à 500 et apparemment, il a baissé le prix à 900. Je me demande si ce n'est pas une petite astuce marketing, tout ça. Mais bon, en tout cas, donc c'est le même concept des formations en ligne. Donc lui, elles vont être un peu plus complètes et puis il a forcément plus d'expérience. Donc c'est des formations quand même qui sont assez chères.
Mais si vous êtes anglophone et que vous voulez avancer vite, je vous encourage à y aller puisque c'est très important de se former, selon moi. Voilà, je vous parle de lui en sachant que je ne fais pas du tout d'affiliation avec lui, c'est juste que je le trouve inspirant, donc c'est un réel conseil que je vous donne. J'ai rien à y gagner hein, à vous dire d'aller vers lui, je ne touche pas de commission ni rien. Mais voilà, c'est un conseil pour vous. Puisque une chose que j'ai bien remarqué, c'est que quand on ne se forme pas, on perd beaucoup de temps. Donc pour vous former, vous avez les écoles de musique et conservatoires et des cours particuliers, mais ça peut être soit ça peut ne pas correspondre à vos envies, puisque tout ça c'est toujours très cadré. Je sais pas si vous avez fait un petit peu, mais moi ça m'allait parce que j'avais vraiment envie de bosser, j'avais envie d'augmenter mon niveau à fond. Et voilà, mais après je regrette parce que j'aurais eu quelqu'un en particulier qui répondait vraiment à mes objectifs, à moi plus précisément, et c'est ce qui s'est passé quand j'étais en Finlande, c'est pour ça que j'ai arrêté toutes mes études derrière, parce que ça m'a mis une claque. Ils sont réputés pour ça, pour l'éducation, parce qu'ils partent toujours du souhait des personnes, et ça, c'est dès l'école primaire. Vous allez dans une école primaire en Finlande, ils ont beaucoup plus d'options personnalisable, en gros les enfants déjà font un peu leur choix quoi. Après ça peut changer en cours de route, etc. Mais voilà, c'est pas il y a une personne, un cadre à suivre, faut que la personne rentre dans le cadre. Non, il y a cette personne et puis on va chercher les petites graines à l'intérieur qui ont besoin d'être développées. C'est une autre philosophie de l'éducation et qui m'inspire beaucoup plus. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, plutôt que créer un cadre et mettre tout le monde dedans, je préfère proposer plein de petites formations qui vont répondre aux besoins spécifiques de chacun. Donc aujourd'hui, j'ai créé trois petites formations comme ça. Il y en a une pour apprendre à lire plus vite, il y en a une pour développer le trombone, comment on débute exactement quand on part de zéro. C'est une méthode encourageante, que je veux encourageante en tout cas, puisque j'apprends par le mimétisme. En fait, je joue des morceaux connus qui sont super sympas à écouter et à jouer. Et le but, c'est de reproduire ces morceaux-là. Donc il y en a une là-dessus, et puis il y a celle que je mets en place là pour développer l'aigu, donc pour, même pour les débutants, comment rapidement, étape par étape, réussir à atteindre l'aigu. Donc en fonction de vos souhaits, il va y en voir comme ça qui vont sortir de plus en plus. Donc je trouve que c'est une méthode plus pertinente que ce qui existe déjà pour apprendre le trombone. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, donc c'est des nouvelles façons d'apprendre la musique. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller dans la description, dans un vidéo, et je vous offre déjà, c'est un peu comme un échantillon de parfum, vous savez, avant d'acheter le gros parfum, ma stock, qui coûte super cher, mais voilà, qui va vous durer un bon moment. Déjà, vous pouvez tester un échantillon, voir si ça vous plaît. Eh bien, cet échantillon, il se trouve dans la description, il y a aussi des partitions offertes, donc déjà pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, si vous voulez un petit peu regarder précisément les différentes formations, vous pouvez très bien aller sur mon site qui se trouve aussi dans la description, ça s'appelle ivibrassection.com. Donc vous trouvez le lien aussi, vous allez direct sur le site, et il y a un moment donné où j'ai fait une page qui s'appelle cours de trombone. Et là, vous avez les différentes choses que je propose. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment progresser. Donc, ce n'est pas des choses gratuites. Vous allez voir, elles ne sont pas si chères par rapport aussi chères que les prix que je vous ai donné tout à l'heure de l'américain en question, poste de tromboniste. Ça coûte aussi moins cher qu'un conservatoire. Donc, ça ne propose pas des résultats énormes, mais ça peut être des résultats qui vous conviennent à vous. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez y aller. Pour ceux qui veulent rester bien sûr sur le contenu gratuit, continuer à suivre ma chaîne YouTube, et ben, y a pas de problème, continuez à suivre ça. J'espère vraiment continuer à vous aider un maximum. De toute façon, cette chaîne, elle est partie pour se développer sur plusieurs années. Donc je ne vais pas l'arrêter tout de suite. Et puis en attendant, moi je cherche aussi à m'améliorer au trombone. Donc tout ce que je continue d'apprendre, avec des cours que je pourrais donner, enfin que je pourrais donner ou prendre aussi, les conseils que des pros peuvent me donner, etc., etc., par tous les gens que je connais
Et puisque c'est un truc que j'ai pas dit dans mon parcours, mais aussi en ce moment je fais beaucoup de cachets, c'est-à-dire je fais des concerts où je suis payé. Et ça je le fais surtout au souba, mais un petit peu au trombone. Donc je suis amené à côtoyer beaucoup de trombonistes professionnels. Donc voilà tous les conseils qui me sont donnés, bah, je vous les redonne dans cette chaîne YouTube. Donc voilà, je continue de vous les donner avec plaisir. Et en attendant, bah, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.